Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a assisté. C'est coup de vidéo ça. Et vidéo ça, c'est vidéo yon bourse pour études professionnelles au Canada. Mais plus précisément dans la région Québec. Le programme ça a facilité aux jeunes yon bourse qui est 100% financier. Comme ça, tout bourse là capable partiellement. Financière, ça veut dire qu'il passe 100%. Ça va dépendre des documents, des performances académiques. Vous pouvez trouver vous 100%. Vous pouvez trouver 100%. À nous suivre avec dans quelques minutes comment le processus là est. Nous allons regarder avant qu'il y ait besoin. Et puis nous allons montrer comment pour initier le processus d'inscription. À nous aller. Toutes les formations, vous avez un lien dans la description vidéo. Le type de programme qui s'allie, c'est une formation professionnelle qui date limite pour postuler. Vous avez jusqu'à 5 août 2022 pour postuler. Comme nous déjà avec le financement des catégories et entièrement financier. Il y a une catégorie pour partiellement financer pour étudier. Qui nationalité qui est éligible pour ça? Là, on est capable de courir ensemble avec nous. Toute nationalité éligible. Sauf français, canadien qui n'est pas postulé. Qui pays pour parler étudier? C'est Canada, dans quelle région? C'est Québec, comme nous avons dit déjà. Même pour ça, l'avantage qu'il y a, l'on bénéficie de l'on travaille pendant qu'on étudie. Ou bien 20 heures par semaine ou 4 travail. Si vous travaillez 5 jours dans la semaine, la quantité est de totaliser 20, vous allez plus que 20 heures de travail. Ok? Ok, j'en ai avec tout là. C'est sous mérite académique que vous allez baser pour avoir le boost. Ok, premier boost. Si vous avez un boost d'excellence, vous allez payer l'université. Vous allez offrir une assurance. Maladie qui peut dépendre de où. Pour soi, aller jusqu'à 14 000 dollars à 26 000 dollars suivant le programme. Ça veut dire le programme qui a une année, qui a deux, qui a trois années, tout dépend de la quantité de sessions qu'on fait pour étudier. Ça, c'est bourse d'excellence. Pour bourse exemption, le frais inscription, on ne peut pas payer inscription, mais il y a l'autre avantage qu'on ne peut pas bénéficier. Ça, parce que c'est partiellement. Pour être éligible dans le programme, là, ou pas de Canadien, ou pas de Français. Ou pas même pays francophonie, sans problème. Il y a priorité pour les gens qui sont même pays francophonie, comme la Chine, l'Inde, Japon, Mexique, Brésil. Ou pas de Canada, même si vous travaillez à l'étranger, ou pas de Canada dans le moment possible. Ça veut dire focus sur l'autre territoire, l'autre pays. Ok? Ou pas de citoyenneté canadienne, ça nous déjà dit. Qui est plus utile l'âge pour gain? Il faut gagner 18 ans. Si vous avez 17 ans, vous pouvez être capable. Vous pouvez gagner 18 ans à continuer, vous pouvez être postuler. Ou pas de bénéficier de bourse d'études déjà au Canada. Et ou pas de gagner une bourse déjà au bénéfice du Canada, vous pouvez pas bénéficier encore. Parce que vous pouvez d'accord accumulation de plusieurs bourses. Ok, pour bourse excellence là, si vous voulez postuler pour lui, il faut que vous ayez un document qui prouve que vous avez petit 2281 dollars américains disponibles sous compte. Comme ça, pas obligé sous compte bancaire, il y a sous compte en famille, un frère, papa, maman, tonton. Mais il faut que vous ayez une pièce, un relevé bancaire, ou bien une lettre qui déclare. Qu'il n'est pas responsabilité pour l'aider ou dans le processus, mais comme ça disponible pour l'aider. Et si vous comptez posséder dans le bourse côté exemption frais, inscription, bourse qui n'est pas complet, il faut que vous approuviez 11 409 dollars américains. Ça, c'est condition. Mais qui option? Il y a l'administration, commerce informatique, agriculture, la pêche, alimentation, tourisme, toute option ça, santé, soins esthétiques.
forestier, papier, mécanique, d'entretien, en pile option, chimie, biologie, électrotechnique, communication, fabrication mécanique, bâtiment et travaux publics. Tout ça, c'est des options que vous êtes capable de postuler. Nous allons montrer comment vous postuler. Vous allez aller sur inscrivez-vous. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Nous allons aller sur un portail côté inscription à faire bien facile. Là, on fait next. Si c'est en français, on fait suivant. Si c'est en anglais, on va mettre en français. Si vous comprenez le français, bien. Si c'est déjà en français, tout, on va remplir. Nous avons une progression d'étape là, c'est 8 étapes. On va remplir une à une. Mais il faut tout document prêt. On va prendre tout document au monde. Dans le critère, on va préparer, on va mettre là. En PDF, document d'identification, passeport, relevé des notes, diplôme, attestation bancaire qui prouve que cobla disponible, tout ça, lettre, recommandation. Et puis, on va commencer à remplir là avec prénom, nom, email, pays, adresse, ville, province. En Haïti, pas une province, parce que c'est département à mettre, code postal. Et puis, on mettez un nom connecté pour mot de passe. Après, on fait suivre, on fait save pour aller dans l'étape suivante. Comme ça, on va remplir tout, yon a un. Comme pas la vidéo est trop longue, m'a coupé. Si vous avez un bagage, nous pas comprendre, n'a quitté le commentaire. Et puis, on fait une prochaine vidéo sur ça.